télévision high-tech. Alors, si vous aimez les vidéos sur le Google Home, le Nest Hub, sur toute la gamme Google Assistant, eh bien, vous êtes sur la bonne chaîne. Abonnez-vous pour continuer à suivre les tutos et la présentation des applications, la présentation des nouveautés de notre Google Home préféré. Aujourd'hui, on va parler d'applications télé, toutes les applications télé qui existent actuellement pour vous renseigner sur les différents guides télé. Allez, merci de vous abonner, c'est parti pour ce petit tuto Google Assistant. Vous avez donc un petit Google classique, vous savez que la surface du dessus est tactile, vous pouvez laisser poser le doigt, ça évite de prononcer le mot-clé, ça vous le déclenche et c'est parti. Parler avec Téléprogramme. Très bien, je vous mets en contact avec TV Programme. Bonjour et bienvenue sur tv-programme.com, vous pouvez me poser des questions sur le programme télé, je vous écoute. Ce soir sur M6. Voici le programme de M6 le soir du vendredi 3 avril. À 21h05, il y aura une série intitulée NCIS, enquête spéciale. À 22h30, il y aura une série intitulée NCIS, enquête spéciale. Désirez-vous autre chose? Aide. Je suis là pour vous donner le programme télé des chaînes françaises et belges, par exemple. Demandez-moi ce qui passe actuellement sur France 3, ou le programme de ce soir, ou qu'y a-t-il sur TMC demain soir, ou encore le programme de TF1 il y a une semaine. Je peux aussi vous dire les films en cours de diffusion ou le programme complet de la TNT. Allez-y. Merci. Très bien, à bientôt j'espère sur tv-programme.com. Voilà donc, parler avec Téléprogramme va vous permettre d'avoir la télé TNT et la télé belge sur votre Google Home. On continue dans l'exploration des applications. Après Téléprogramme, est-ce qu'on peut parler à Télé 7 jours? Parler à Télé 7 jours. D'accord, voici Télé 7 jours. Bienvenue sur Télé 7 jours. Souhaitez-vous découvrir notre sélection télé pour ce soir ou connaître les programmes par chaîne? Aide. Pour connaître la programmation ce soir sur une chaîne, dites par exemple « ce soir sur TF1 ». Pour demander ce qui est diffusé en ce moment, vous pouvez dire « en ce moment sur Gulli ». Enfin, si vous souhaitez que Télé7 vous conseille, dites « ce soir à la télé ». Voilà donc une autre application sympathique pour avoir des renseignements sur ce qui se passe sur notre télévision. On continue et on va demander à parler... Parler avec Guide TNT. Bien sûr, voici Guide TNT. Quel programme voulez-vous connaître? Il existait une bonne application comme Guide TNT. Apparemment, elle ne fonctionne plus chez moi. Est-ce qu'elle fonctionne chez vous? Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse vraiment. On continue. On va parler avec Mon Programme Télé. Parler avec Mon Programme Télé. Mon Programme Télé, que puis-je pour toi? Aide. Voici les commandes que je comprends pour le moment, lister les chaînes, et qui a-t-il sur telle chaîne en ce moment? Par exemple, demande-moi, qui a-t-il sur TF1 en ce moment? Une fois que je t'ai répondu, tu peux me demander de te faire le résumé de ce programme avec la commande, fais-moi le résumé de ce programme. Puis-je faire autre chose pour toi? Ce soir sur W9. Ce soir, il y aura enquête d'action, au secours des ch'tis, le SAMU de tous les records sur W9. Ce programme commence à 21h05. Puis-je faire autre chose pour toi? Fais-moi le résumé. Enquête d'action au secours des ch'tis, le SAMU de tous les records. Le SAMU du Nord détient le record d'intervention en France, 37 000 sorties par an, soit une centaine en moyenne chaque jour. Près de la moitié d'entre elles est assurée par les urgentistes basés au CHU de Lille, l'un des plus grands hôpitaux du pays. Accident de la route, mauvaise chute, malaise, dispute qui dégénère. Enquête d'action a suivi les médecins et des infirmiers de ce service qui tourne à plein régime. Leur terrain d'action est vaste, 6000 km² entre ville et campagne, desservi par une multitude d'axes très empruntés et dangereux, des autoroutes comme la 1 mais aussi des départementales qui traversent des petits villages.
Ce programme dure 110 minutes, il est déconseillé au moins de 10 ans. Puis-je faire autre chose pour toi ? Arrêtez. Voilà, donc ce programme, utilisez-le, car vous avez des très beaux résumés tels que vous les avez pour les personnes voyantes, pour les personnes dans les guides télé écrits. Voilà donc pour cette petite vidéo sur les différents guides télé existants sur votre application. Bien sûr, vous pouvez utiliser ceci sur votre smartphone ou sur votre tablette du moment où vous avez votre Google Assistant activé. Sans problème, donc tout est utilisable sur vos assistants enceintes connectées et sur vos smartphones et tablettes. Abonnez-vous pour continuer à suivre toutes les petites astuces Google Home. Sur la Team Vision, on a déjà dépassé les 40 000 abonnés, on arrive aux 40 100 abonnés. Merci à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.